Je vous remercie, professeur Ebenezer Ndjamwele, de m'accorder cette interview qui va certainement intéresser beaucoup de personnes. En effet, votre activité de production intellectuelle en général et philosophique en particulier frappe tous ceux qui vous suivent, de près ou de loin, depuis toujours et surtout depuis 2016-2017. Où trouvez-vous le temps et l'inspiration conduisant à ces résultats? À mon tour de remercier Digital Studio de s'intéresser à ma production philosophique. Merci de la trouver abondante. Mais je crois effectivement que vous avez été beaucoup plus impressionné par ces dernières publications concernant le transhumanisme sorti en 2017, 2018, 2020 en particulier. C'est vrai que depuis 2016, déjà il y a eu mondialisation, rapport de force et illusion de solidarité. Mais c'est surtout depuis 2017, tous les ans, transhumanisme, champ de science et avenir de l'homme, suivi de quelle éthique pour le transhumanisme, 2018, des hommes augmentés, des post-humains demain en Afrique, nous sommes là au cœur du sujet. Et puis, troisième titre, ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle. Merci de cette préoccupation, de cet intérêt. Maintenant, le temps, moi, je serai bref sur la question du temps. On a le temps de ses projets. Quand on a des projets, on crée le temps pour cela. Et c'est ce qui se passe avec moi, n'est-ce pas? Quand on n'a pas de projet, ben, bien sûr, on regarde le ciel et puis on regarde les mouches voler, ce qui est loin d'être le cas ici. Bon, maintenant, l'inspiration. Je suis un militant, je suis un militant depuis ma prime jeunesse. À l'Union chrétienne des jeunes gens, mon premier voyage à l'extérieur en bateau. Je participais à un congrès mondial de l'Union chrétienne des jeunes gens. Peu de temps après, étudiant en France, je suis au bureau avant d'être au bureau, je préside en 63 le congrès de l'Union des étudiants du Cameroun en France, l'Union nationale des étudiants du Cameroun en France, l'UNEC. Et puis j'en deviens le vice-président. Et puis, toujours dans le militantisme, c'est important ce que j'ai dit là par rapport à votre question sur l'inspiration. On est militant, tous les philosophes ne sont pas des militants, n'est-ce pas? Ils n'ont pas participé à des associations, ils sont pas... Voilà, donc j'ai milité et ça explique le fait qu'aujourd'hui je continue d'être ce philosophe qui est intéressé par le destin de l'homme, de garder, se considérer comme gardien de l'humain et de l'humanité, et qui s'intéresse à la vie quotidienne, n'est-ce pas? D'où le livre de 2007, le discours sur la vie quotidienne. Et puis d'où, il faut revenir en arrière, loin derrière, sur le développement lui-même. Je commence par là, les questions d'actualité, la philosophie du développement, et c'est sur la signification humaine du développement, beaucoup plus connue sous le titre de la médiocrité à l'excellence. Voilà, donc, merci pour ces questions. Donc, je crois que le militantisme et le fait que c'est le temps, les projets, il faut avoir des projets pour créer le temps.